Salut à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 6 avec la Belgique sur Napoléon Total War. On avait une petite armée ici qui avait déjà pas mal affaibli quand même, qu'on va essayer d'envoyer à Copenhague pour détruire le Danemark, ce qui nous sécuriserait le nord. On pourrait ensuite s'en prendre à la Suède et à la Norvège pour faciliter notre expansion vers la Grande-Bretagne éventuellement, ou plutôt vers la Russie. Il y a aussi moyen de faire quelque chose en débarquant par exemple en Finlande. On peut faire quelque chose, retomber sur Saint-Pétersbourg et arriver directement à Moscou. Et ça, ce serait une bonne idée. Écoutez, bon, en attendant, il faut d'abord prendre Copenhague, et ça va pas être facile vu là ce qui nous attend, une petite armée. Mais grâce à nos canons de 12 livres, j'espère qu'on pourra y arriver sans trop de problèmes. Par contre, niveau économie, c'est un petit peu le caca. On est en banqueroute actuellement. Ici j'avais dû enlever les taxes parce que sinon ces messieurs ne sont pas contents. Ouais. Bon, on va rester comme ça. Hop, j'ai envoyé ça. Une unité de milice, c'est pas grand chose, mais ça devrait le faire. Histoire de les retenir. Ici ils ont toujours un œuvre, hein, les Danois. C'est pour ça qu'il faut en terminer le plus vite possible. D'accord. Ici j'ai mon espion qui pourra éventuellement me dire qu'est-ce qui se passe. Au niveau de mes ministres, non, toujours rien. Je pensais qu'il y en aurait éventuellement d'autres avec de meilleures statistiques. Banqueroute imminente, et bien sûr, oui. On le sait. C'est pour ça qu'il faut prendre Copenhague. À partir de ce moment-là, je pense qu'on pourrait se refaire une économie. Ce serait un minimum. Alors là, j'espère qu'on va pas m'attaquer, puisque j'ai toujours ma deuxième armée qui se trouve en France. Enfin, chez les Français, du coup. Alors qu'ici, ils m'attaquent. Je peux les battre très facilement, je pense. Ok. Ce qui me fait peur, c'est quand même leurs 12 livres ici. Ici, il y a un 6 livres. Ok. Ok, bon, bah, on est parti. Bataille de Schleswig, 1806. Bon. Bataille décisive à la suite de cette campagne. Il me faut absolument de l'argent si je veux continuer. Sinon, on est foutu. Alors, on va ici essayer de se terrer dans un coin. Et puis, se défendre comme l'on peut à cette agression danoise. On va faire comme ça. Je vais disperser un petit peu mes troupes d'artillerie. Voilà. Et on va faire quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, comme ça. Hop. C'est bon, ça. Voilà. Donc à chaque fois, je mets une unité d'artillerie entre deux unités de fusillés de ligne. Parce que je sais qu'ils vont venir à moi. Et donc du coup, je vais utiliser ma mitraille de manière intelligente. Je vais jouer sur les chocs moraux. Voilà. Et là-bas, il nous reste quelque chose, bien sûr. On va mettre ça là. Alors, on va essayer de perdre le moins d'hommes possible, sachant qu'il reste toujours de la garnison à Copenhague. C'est le Darth Mode qui veut ça. Mais il faut aussi essayer de faire d'énormes pertes chez eux. Voilà, reste comme ça toi, le général il est bien. Et toi éventuellement tu peux aller te planquer par ici. Voilà, tu nous seras utile. Alors, nos canons ouvrent le feu. Ce que j'aimerais, ce serait des canons de 18 livres. Comme ont les Ottomans. Ça, je peux vous jurer que c'est vraiment pas mal.
C'est vraiment pas mal, ça fait d'énormes dégâts. Et ça joue encore plus sur le moral, comme vous pouvez vous en douter. Très franchement, ce serait sympa. Ou alors même les tireurs de fusée, hein. Pour ceux qui connaissent, ça fait à chaque fois un carnage juste énorme. Monsieur, monsieur, ouais. Notre général essuie une attaque. Ah, j'ai déjà perdu un canon, zut alors. Ça c'est pas une très bonne nouvelle. Bon, il faudrait qu'en face il se grouille un peu. On va mettre ça un petit peu plus rapidement. Puis on va continuer à tirer. J'espère que ça va pas trop nous handicaper. Je pense même que si j'arrive à continuer cette campagne, je passerai de 4 unités d'artillerie à 6. Tellement ça marche bien. Et tellement on peut faire des massacres avec. Ça c'est sûr et certain. Bon là en attendant j'aimerais bien qu'on commence un petit peu à se bouger. Je vais assigner des cibles. Hop. Toi ici au centre tu vas toujours tirer là-dessus. Voilà. Et j'espère qu'ils vont pas... Ah j'ai encore perdu un canon. Mon dieu. Ils font vraiment mal en face. Bon j'espère qu'ils vont se grouiller là. Qu'on va pas attendre 3 ans. Ce serait dommage. Allez. Ah, ils mettent vraiment beaucoup de temps. Ils se pressent pas du tout. Ça, ça peut être quelque chose qui pourrait être énervant. Comme d'habitude. Vous me direz. Bon, ça y est, ils avancent. Ah, ils prennent bien leur temps. Hein. On va tirer sur le général. Si on peut l'avoir, ce serait bien. Ah, ici. Bon, les chevaux légers se sont fait mitrailler. Ce n'est pas une grande nouvelle, on le savait. On le savait. Bon, là, le général. Faudrait le prendre en cible. Ok, quelques morts. Ah, c'est pas non plus énorme. Là, on a eu des pertes. Ah, il faut essayer de les économiser, nous sommes. Parce que sinon, ah, j'ai encore perdu un canon. C'est pas génial du tout, du tout, du tout. Il est ici, hein, celui de 2. Ok. Ok, bon. Ok, on va commencer à tirer. Très bientôt, à la mitraille. Là, je vais passer... voilà. Et on va assigner les cibles par après. Hop. Évidemment, ils nous tirent. Nous avons tué leur général, monsieur. Okay. Nous allons les briser, c'est sûr. Ils nous tirent de plus loin. S'ils pouvaient avancer par là. Ici, qu'on puisse faire quelque chose. Hop. On va charger. Ok, ça y est, ça fuit déjà. Alors, on va tirer ici. Vous, vous attendez encore un peu. Là, je vais peut-être passer sur le côté. Voilà. Ça c'est génial. Ici on va arriver à porter très bientôt, ça y est. Vous vous tirez dans le tas. On joue sur le moral. Ça doit marcher. Ok, ça marche déjà, ça tombe. À ce niveau on va rester par là. On va pas trop bouger. Ok, vous feu ici. Et vous feu ici. Très bien, on va faire passer la cavalerie sur le flanc. Leur chevaux légers se trouvent ici, très bien. Ok, ça fuit. Ça fuit, c'est une très bonne chose, une très grande nouvelle. Là, on va dégager. Ça a l'air de tenir pas mal. Hein. Ok, très bien. Malgré la difficulté, le moral il tient pas hein, chez eux. Alors attention ici, leurs unités de cavalerie qui s'approchent. Je vais former le carré. Et je vais faire replier ma cavalerie. Alors ici ils arrivent. C'est bien, ils sont assez groupés, on pourra faire un gros massacre. Là on dégage par contre. Avant qu'il ne soit trop tard. Okay.
Génial, allez, on continue. On continue, on leur fait bien mal, ça c'est génial. Ici on se prépare éventuellement à faire le carré. Là-bas, comment ça se présente? Ça se présente bien. Il faut juste faire attention ici. Ok, je vais faire le carré. Ok, ils vont être bloqués, je pense qu'ils vont fuir assez rapidement. Ici, on tire là, là, voilà, génial. Voilà, je vais charger, je pense. Avec avec ma cavalerie. Ici, on va passer sur le flanc. Sans doute, ouais, on va faire ça. On va rester, hop, voilà. Et on va essayer d'avoir leur, leurs unités d'artillerie assez rapidement. Bon, donc là, on les termine. Ok, ici. Voilà, ils sont fusillés, même avant d'arriver au combat. C'est un massacre. Tout bonnement, un massacre. Très bien. Alors, attention, ici, on s'est fait... c'est bon, c'est bon. On arrive à gérer la situation. Voilà. On a perdu pas grand chose. Là on va aller poursuivre. On va aller poursuivre. Ce sera bien. Et puis on va encore tirer quelques salves de mitraille. On peut repasser en boulet classique. Tirer là dessus ça peut être bien. Hop. Ici, allez go, on fonce là dessus. Et là même chose. On arrive sur leurs unités d'artillerie. Alors je pense que je vais pas tarder à faire un cessez-le-feu. Voilà, on va faire ça. Et je vais approcher l'entièreté de ma troupe d'infanterie. Voilà, comme ceci. Alors que là, on devrait pouvoir s'en sortir assez tranquillement. Voilà. Ça devrait le faire. On devrait pouvoir s'en sortir. Bon, eux... On va peut-être accélérer. Ici, on va s'en occuper, voilà. Et là, on va essayer de tomber sur le flanc. Alors que là, c'est gagné. Hop. On vient les détruire. Voilà, deux canons, trois. Ici, il y a quelques survivants. Là, c'est foutu pour eux. On va pouvoir... on va pouvoir les pourchasser. Alors, attention une ici. Belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Ici, il reste quelques gars. Passer en boulet classique et tirez-moi là-dessus, voilà. Comment ça se passe là? Ok. C'est eux, hein, véritablement. Qui mettent la pagaille. Où il en est, où le moral? Ah, il est bon le moral, hein, c'est ça le problème. Ils ont un bon moral. Si on pouvait éventuellement le faire descendre. Que je puisse charger. Ok, je vais prendre ça à la limite. Je vais prendre ça, je vais les contourner. Et on va charger. Ils sont fatigués, ok. Ok, go. Hop, on cesse le feu. On les charge. Ok, ça fuit. Je vais demander. Voilà, hop, on cesse le feu. On continue quelques secondes histoire de les détruire eux. Voilà. Allez. On en détruit un maximum et puis on va se quitter. On va se quitter cette bataille. Voilà, victoire décisive. Bien. Ce qui fait que là on a ouvert la, route pour Copenhague. Je pense que ça pourrait être pas mal. On a perdu 400 hommes seulement.
C'est cool. C'est un succès. On a perdu traités commerciaux avec l'Empire Ottoman. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on fonce sur Copenhague. Alors, oula. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Beaucoup de milices, ok. Ça va être notre avantage. Beaucoup de milices, une seule unité de cavalerie, pas de canon. Ok, alors ça c'est une chose. C'est une chose. Ah oui, Hanovre, oui, c'est révolté. Alors, ça c'est une autre chose. Hop. Voilà. Ce qui fait que là, ok, on gagne 2612 par tour. Là, on est bon, on garde nos milices à l'intérieur. Là, on va rester peut-être encore un tour histoire de se refaire un maximum. Et après, ici, là, c'est. Ok, on va faire quelques accords commerciaux si possible. Hanovre, j'aimerais quand même l'annexer. Pour en faire. Pour en faire mon protectorat. Comme ça, on serait sûr que tout ce flanc serait protégé. Ouais. Il faudrait l'annexer. Donc là, je restais encore un tour et je l'attaquerai. Comme ça, j'en fais mon protectorat. Et on est sûr que là, c'est protégé des Prussiens. Et il n'y aurait pas de souci. Parce que là, Mecklenburg. On serait bon aussi, ouais. On serait bon aussi, il faudrait aussi l'annexer par après. On va voir. Nation rejoint vos ennemis, la Grande-Bretagne. Ouais. Donc là, on est vraiment dans. Ouais, bah ouais, là, on va se taper toute la coalition. Prusse, Autriche, Russie, Angleterre, Grande-Bretagne. Contre Belgique, France, Espagne. Et Empire Ottoman, ce qu'il en reste. C'est-à-dire pas grand-chose. Bon, mais ceci dit, là, il faut en terminer avec. Avec eux. Eh ben on y va. C'est parti, je vais quand même sauvegarder Belgique. Ouais, j'avais fait un truc avec la Grèce là. J'avais. J'ai commencé un petit peu. Hop. J'ai été prendre. J'ai été prendre. On va dire Constantinople. Istanbul, voilà. Récemment, mais bon, c'est pas très compliqué avec la Grèce non plus. On démarre sur de bonnes bases, quoi. On peut recruter, on va dire, à foison. C'est pas comme avec les petites régions telles la Bretagne ou la Catalogne qui ne possède qu'un emplacement de bâtiment. On peut faire grand chose, hein. C'est ça, c'est sûr. Alors, vu que j'ai l'avantage. Au niveau de l'artillerie, s'ils n'ont pas changé ça par rapport à la Vanilla, ils devraient m'attaquer. Ils devraient m'attaquer. Parce que oui, souvenez-vous, sur Napoléon, si on a l'avantage de l'artillerie, c'est eux qui attaquent. Enfin, généralement, ça se passe comme ça. Après, c'est un peu spécial hein, ce jeu. Alors, c'est eux qui attaquent. Et si c'est eux qui ont l'avantage... de l'artillerie, c'est nous qui devons attaquer. Alors je parle bien de base c'est nous qui portons une agression sur eux si on les attaque nous. Mais par contre si on se défend c'est eux qui attaquent directement. Directement et ça dans tous les cas possibles même si on n'a pas beaucoup ou énormément d'artillerie. Par contre, dans le sens contraire, si ça a à voir à qui a l'avantage. J'avais vu un truc comme ça, ça a été vraiment modé. Voilà. Napoléon n'était même pas prévu à la base, donc c'est un peu normal que ce soit un peu étrange par moment. Bon, mais on va réitérer la même stratégie. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal, quoi. Faudra vraiment se faire des unités d'arty en plus. Là on a quoi? Ok, bon tu me fais ça. On va peut-être se reculer comme ça. Voilà.
vu qu'ils sont pas mal ici dans le coin. Je me demande si ça sert vraiment d'avoir une unité d'artillerie à ce niveau-ci. Si je devrais pas peut-être la recentrer par là. On va toujours faire ça. Écoutez, j'ai envie de faire ça. Regardez, hop, on se met comme ça. Et là, on va faire ça. Comme cela. Bien. Bien, bien, bien. Parce que je sens pas. Ils sont plus à ce niveau-ci. S'ils vont plus porter leur coup sur le flanc. On va faire ça. Hop, on est parti. Alors, leurs renforts, ils arrivent d'où? Parce qu'ils ont 3 unités de renfort, je crois. Déjà, ils ont un truc là. Très bien. Ah, ils sont marrants, quoi, les Danois. Ils ont quelque chose ici, les chevaux légers, d'accord, c'est pas grand chose. Ok, on leur tire déjà dessus. Mais franchement, ce qui était magnifique, c'était vraiment les batailles à l'époque. On avait parfois jusqu'à 200 canons, 300 canons juste d'un côté, quoi. Vous imaginez, l'échange d'artillerie, ça durait des heures entières. Ouais, franchement ça devait être quelque chose. Bon, on va les laisser arriver. Vous imaginez, si on aurait dû prendre d'assaut cette ville, on aurait eu énormément de pertes. Là je sais pas comment ça se passait, mais je pense que ça va mieux se passer que si on aurait dû attaquer la ville. Très concrètement. Alors bien sûr, la ville qu'on voit ici, ce n'est pas Copenhague. Généralement, les grandes villes sont derrière, juste derrière. Quelque part caché ici. Voilà, ici, ils sont là. Copenhague est ici. Généralement, on a un petit patelin juste devant, voilà, ici. Alors pensez pas que c'est Copenhague, hein. Copenhague est juste derrière. Ça, on le voit pas, c'est vraiment par beau temps qu'on peut l'apercevoir. Donc non, il n'y a pas de grande modélisation. Il faudrait un jour qu'ils nous fassent ça. Parce que franchement, sur Rome 2, là, on avait quoi? On avait... Il y a juste 4 villes qui ont été modélisées. Bon, Carthage, ça c'est normal. Mais Rome aussi. Mais après, c'était pas génial. On avait vu Alexandrie. C'était complètement pas fini du tout. Il reste quoi? Dernière ville. Je sais plus. Mais franchement, le jour où ils nous feront un bon truc là. Ok, bon bah je pense qu'on va accélérer tout ça. Attendez, y a quoi? Y a Rome, Carthage, Alexandrie et... Ah, ça me revient pas là. Ça me revient pas. Dernière ville. Non, non, je vois pas. Bon, tant pis, là, j'espère qu'ils vont se ramener. Et voilà, ils vont se placer ici. Et puis, on sera bon. J'espère qu'ils vont se dépêcher. Un petit peu. En attendant, on leur a fait perdre un canon, ça, c'est bien. C'est une bonne chose. S'ils pouvaient se dépêcher aussi, ce serait bien. Parce qu'ils prennent vraiment bien leur temps. Et ça, c'est affreux. Bon. On se retrouve dès qu'ils ont avancé ou dès que le combat commence. Voilà. Allez. Bon, et bien, vu que c'est moi qui me suis fait avoir, je vais attaquer. Je pensais vraiment qu'ils auraient lancé une attaque contre moi. Apparemment, mes théories... sont erronés. C'est pas trop grave à la limite. On va vu que là ils sont plutôt resserrés entre eux, je vais essayer de faire un gros carnage. Voilà. En contrepartie, ça va être ça. Je vais rassembler donc l'ensemble de mes canons sur ce centre. Comme ça on pourra les tirailler un bon coup. Voilà.
C'est à peu près le topo de ce qu'on va faire. Voilà, je vais prendre ça. Je vais placer mon infanterie jusqu'au bord de la map. Voilà. J'ai déjà placé mon ma cavalerie. Hop, que je vais faire progresser ici dans le bois. Alors ici, j'ai aussi de la cave. Bon, il y a aussi le tank qui est contre nous. Faudra faire gaffe. Faudra faire gaffe. Là, j'aimerais bien qu'on se bouge un peu, si possible. Voilà. On va essayer de les avoir ici. À ce niveau-ci. Hop, là on dégage. Attention aux citoyens armés. Comme ça on peut prendre éventuellement les chevaux légers ici derrière. Plus facilement. Je perds énormément d'hommes. Pourquoi? Ah bah oui. Ah bah oui, mais bien sûr. Les chevaux de frise. Je suis passé totalement dessus, je ne les ai pas vus. Bon, c'est pas grave. Là ils sont morts, s'ils tentent de passer. Bon, tout le monde là, on se grouille. Mes pièces d'artillerie sont bientôt en ordre de bataille. Déjà celles-ci peuvent se placer. Et la dernière qui manque à l'appel, voilà, elle arrive. Attention ici. Prennent vraiment de flanc. Je vais essayer de replacer cette unité. Voilà. Ici on est bon. On va continuer le feu. Ok, là on va passer par ici. Très bien. Il faut progresser là. On n'a pas le choix. Je vais prendre l'ensemble de mon armée. Hop. Et on avance comme ça. Allez go. Ici on les encercle. Faut que je fasse la différence avec ma cavalerie. Citoyens armés. Ouais, faudra qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que c'est ici? Pourquoi il y a de la fumée? Attendez. Ça c'est le bruit d'un... C'est le bruit d'un canon ça. Canon qui se déplace. Donc, les renforts sont pas loin. Ok, ici on va dégager. Vu que notre infanterie va être en place. L'artillerie va continuer son job et à tirer là-dessus. Voilà. Attention ici, je vais me faire prendre. J'ai perdu énormément de cavaliers ici. Ce reste les chevaux de frise, ouais, il me semble. Là, je sais pas ce que ça donne, est-ce que ça va être gagné ou pas. Peut-être envoyer mon GG. Ah, déjà ça. Ça, c'est mort. Au revoir. Ici, on va tirer là-dessus. Voilà. Je vais refermer ce côté-là. Voilà, tranquillement. Attention, les renforts ici. Renforts danois. Renforts danois, on va donc passer par là. Je vais donner un coup là-dessus. Ce qui me fait rire, c'est qu'eux, ils peuvent passer chevaux de frise sans rien avoir. Ça, c'est quand même excellent. Alors, qui m'embête, ça? Je ne sais pas. Faudrait voir à arrêter. Très bien. Ici on a quoi? Ok. Peut-être demander un soutien. Voilà, juste là. Cavalerie, vite. Citoyen armé, ça devrait tomber rapidement. Sans souci. Alors que là, c'est une victoire sur ce flanc. Hop, on avance comme ça. Je vais toujours demander à deux unités de tirer là-dessus. Dragon léger. J'avais pas de renfort de cavalerie moi. Ici. S'il pouvait se ramener, ce serait bien. Il
et continue à faire feu. Ici. Voilà. Et vous. Ici. Ah, par contre, on tiendra pas longtemps. Faut vraiment. Ici se renfort. Attention à chevaux de frise. On va essayer de passer sans trop se casser la gueule. On a tué leur capitaine. Ok, on passe. Très bien. On est passé. On continue là-dessus. Notre artillerie va continuer à pilonner à donf. Voilà. Monsieur, monsieur, notre général est sous une attaque. Bon. C'est pas trop grave. Ici. Ici, ça devrait être une victoire. Ok. Et là, on va avancer. Voilà. Artillerie qui va pilonner à ce niveau-ci. Faut vite qu'on se mette en position là. Et là, si on peut les avoir de flanc. Ok. Milice. Hop, pilonne-moi ça. Ah, il y a toujours ces renforts, hein, maudit renfort. Allez, rechargez les gars. Rechargez plus vite. On devrait être bon. Ok, tout le monde est bon. Pas mal quoi. C'est un délice. Ce serait franchement excellent de voir ça. Cependant, il reste toujours cette unité là. C'est pas très grave. Bon, je pense qu'on va pas tarder à donner la charge. Il nous reste quoi? Il nous reste 17 minutes. On va être bon, j'ai demandé à pilonner ça. Alors que nos hommes vont avancer. Comme cela. Hop, voilà. Nos canons, on les redirige. Ok. On va cesser le feu pour éviter les TK. Hop. Ouais, ils arrivent d'ici. Ils arrivent de là. Est-ce que je pourrais envoyer mon GG? Je sais pas. Ah, ils sont planqués. Vite. Hop. Voilà, encouragez, c'est bon. Là-bas, vite. Il y a des renforts. On va les pilonner, vite fait, le temps que mes renforts arrivent. Ok. On devrait faire quelque chose là. Ça y est, ça fait feu. À côté à ce niveau-ci, ouais. Ok. Bon, attention, ici, ça va commencer à être un peu chaud. Là, surtout qu'il y a de la cavalerie en renfort. On va se replier par là. Attention aux chevaux de frise hein, qui traînent. On va prendre large, ici. Hop, on pousse. En général, sur le flanc... Okay.
Hop. Ok, bien. Très bien. Je voudrais espérer du beau temps. On est au Danemark. Faut pas déconner non plus. Et là on est bon, j'ai ma cavalerie. Très bien. On a vaincu à ce niveau-ci. Je vais revenir sur ses arrières. Attention aux chevaux de frise ici. Ah, il faut pas grand chose. Juste le choc du général. C'est bon, voilà. Hop. Toi t'es mort. Y a un gars qui se traîne ici. C'est qui? Fantasin. Tu peux m'aider l'artillerie là? Ce serait bien. Je sais pas trop ce qu'ils font. Mais ils vont avoir mal. Allez. Ah, c'est horrible. A leur place, j'aurais pas aimé. Mais ici. Allez, on peut faire feu. Soldats, qu'attendez-vous? Ouais, ici là. Ils ont pas rechargé encore. Ça arrive assez méchamment ici. On va bloquer. Hop, voilà. Ok, très bien. Hop, on tire là-dessus. Là, ça devrait être bon. Oui, attention. Attention, on va dégager. Si on veut pas trépasser. Allez. Mon général, il est où? J'aimerais bien mon soutien d'artillerie, si possible. Ok. Toi reviens ici. Ils sont plus très nombreux, on peut se les faire là. Allez, on charge. Charge les gars, oh. Bien, ici ils devraient périr et là on va les finir correctement. La charge semble inévitable. C'est une belle victoire monsieur, que vous allez bientôt remporter. Ok, on termine. Termine, attention, ici on va faire les carrés tout de même. Allez, on a tiré là-bas. Très bien. Ici ça devrait être bon. Allez, la cavalerie, c'est maintenant. C'est le moment, c'est l'instant. Vous allez tirer là-dessus. Hop. La cavalerie. Il nous reste quoi? Il nous reste 10 minutes. Ok, toi, je vais te laisser faire. Okay. Ici, on va bientôt cesser le feu. Voilà. On cesse le feu. Attention ici. Ils reviennent. On va charger. Morale devrait juste pas tenir. Par contre là, non, c'est une mauvaise idée. Non, repartez s'il vous plaît. Repartez. Vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà, hop. Voilà, ils sont pris de partout. Ils sont pris de partout, ils ne pourront pas faire grand chose. C'est foutu. Ça va être gagné.
Ça va être gagné. Là, allez, il reste pas grand chose. On peut les finir maintenant. Tout le monde est là. Ok. On se concentre là-dessus. Et c'est gagné. On a pris Copenhague. Génial. Ce qui veut dire... Putain, on a perdu énormément d'hommes. J'aurais pensé qu'il serait venu à la charge éventuellement. Oh bien. Très bien. Voilà. Infrastructure, on est bon. Il faut juste réparer. Du coup, on a un taux de reconstitution plutôt plutôt assez bon. On va dire ça. On peut recruter quoi? De la milice, ce sera peut-être... je sais pas si c'est... Si on a besoin. Bon, on va réparer, ça va aller. Ça va aller, ça va pas trop gueuler. Ok, très bien. Prochaine étape, les Suédois, à ce niveau. Notre armée va s'en occuper. Hop, tu viens jusqu'ici. Merci bien. D'accord. Et on s'occupera d'Hanovre. Alors Hanovre. Je vous laisse ici un tour encore. Vous êtes plutôt bien. Vous êtes plutôt bien. Je pensais quand même recruter un régiment de milice pour le mettre dans mon port. On ne sait jamais. J'ai pas envie de me prendre des gros blocus. Alors on gagne 5000 au prochain tour. On va passer le tour d'ailleurs. On verra s'il y a des traités commerciaux à faire. Alors, alliance militaire, alliés, ils ont quoi? L'Espagne, le Royaume d'Italie, la Suisse, Venise. Contre ennemi, Prussien, Russie, Sicile, ok. Allez, pour l'alliance. Ici, bien. Ennemi, la Grande-Bretagne, ok, ils ont besoin d'argent, je les comprends. Alliance militaire avec l'Irlande, on va pas quand même entrer dans ce petit jeu. On verra pour l'Écosse, mais pour l'instant je veux faire une annexion de l'Irlande, du Pays de Galles et de l'Angleterre. Alors la Prusse, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, ils vont me bloquer, voilà. Et au moins ils détruisent pas mes ports à chaque fois. Ce qui me coûte de l'argent. Et pas qu'un peu. Alors la Suède nous a déclaré la guerre, d'accord. L'Espagne et la France nous rejoignent, ce qui est normal. Alors là ils vont piller, ils vont faire des raids. C'est tout à fait normal. Bien. Ok, bah notre prochaine destination sera la Suède, on les aura assez facilement je pense. La Norvège aussi, écoutez. Hop, on ira les chercher au prochain tour. Enfin au prochain épisode. Voilà. On peut pas bouger. Ouais, parce qu'ils nous bloquent. Ils nous bloquent hein, les salopards. On prendra donc un navire. On recruterait un petit truc, un navire cargo, voilà, qui est très bien. Ceci dit, on gagne un petit peu moins à cause des Prussiens ici. Pas grand chose à construire. Peut-être faire des infrastructures maintenant. À ce niveau, voilà. Mon armée va se positionner à Hanovre, sur le pont d'Hanovre. Bâtiment construit. Nation rejoint vos ennemis, la Russie. Ok. Donc là, on est vraiment contre toute la coalition. Ça va être magnifique. Et franchement, vu comment ça se passe, là, on a un petit peu plus d'argent. Ça fait du bien. On est enfin, enfin tranquille. Je pense que là, on commence. Ah, en plus, les Français ont pris Prague. Ça, c'est la vraie, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc là, on avance et franchement, ça fait plaisir. On va essayer de continuer comme ça. Mais pour le moment, on voit bien que la Belgique commence à s'étendre. Et va faire excessivement mal.
Bon, mais sur ce, on se retrouve très vite pour le 7e épisode. Allez, salut!